J'ai besoin de tes bras pour bâtir et pour aimer. Viens, j'ai besoin de ta voix pour instruire et consoler. Dieu, je ne suis qu'un enfant, que
dirais-je aux plus vieux? Tu sais bien que les grands te connaissent encore mieux. Oui, je sais tout cela, mais j'ai besoin de toi. Viens, j'ai besoin de tes bras pour bâtir et pour aimer. Que dirais-je aux gentils? Je n'ai rien d'un prêcheur au langage poli. Oui, je sais tout cela, mais j'ai besoin de toi. Oui, j'ai besoin de tes bras pour bâtir et pour aimer. Bonjour, bienvenue à cette célébration du deuxième dimanche du Carême. Alors, pour suivre avec nous la célébration, vous pouvez syntoniser YouTube ou Facebook à Vie pastorale Christ Sauveur et à la radio pour les gens de Brompton à 92,3 FM. Dieu fidèle, Dieu de l'Alliance, en Jésus-Christ, tu es Dieu libérateur. Sur nos chemins de peine et d'espérance, en Jésus-Christ, tu es sauveur. Quand sur le tabord resplendit ta lumière, tu es Dieu libérateur. Quand renaît l'espoir dans la nuit de nos misères, tu es Dieu sauveur. Dieu fidèle, Dieu de l'Alliance, en Jésus-Christ, tu es Dieu sur nos chemins de peine et d'espérance, en Jésus-Christ, tu es sauveur. Mes salutations à chacun et chacune de vous qui êtes retenus dans vos confinements, toujours dans ces cellules familiales pour célébrer le Seigneur en union avec les uns et les autres. Aujourd'hui, c'est le Seigneur qui se manifeste d'une manière différente. C'est Dieu lui-même qui nous invite à nous mettre à l'écoute de son Fils. C'est sur la montagne qu'il s'est révélé à Pierre, Jacques et Jean comme étant la lumière qui guide. Aujourd'hui, nous arrivons avec nos préoccupations. Nous les portons en nous, avec ses joies, avec ses peines. Mais nous voilà invités à prendre la route sur la montagne pour reconnaître ce Jésus qui se révèle autrement. Que Dieu, Père, Fils et Esprit vous accorde paix et grâce au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Être transfiguré, voilà ce qui arrive à Jésus. Ce devrait être la même chose pour chacun et chacune de nous en période de carême. D'être transformé, que notre jeûne ne paraisse pas, que nos prières se fassent dans le secret, de même que notre au monde. Présentons-nous devant le Seigneur avec nos limites. Il veut que sa lumière aussi nous traverse. Tournons-nous vers le Christ qui nous a aimés jusqu'au bout. Reconnaissons sa bonté en lui disant combien nous en avons besoin. «
Seigneur Jésus, Fils bien-aimé du Père, relève-nous. Christ, toi qui intercèdes pour nous, relève-nous. Christ, eleison, ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, tu es notre frère en humanité, relève-nous. Que Dieu notre Père nous pardonne nos fautes, qu'il restaure en nous l'image de son Fils bien-aimé et qu'il nous accueille en sa vie éternelle. Amen. Prions. Tu nous as dit, Seigneur, d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole les vivres dont notre foi a besoin et nous aurons le regard assez pur pour discerner ta gloire. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, lui qui vit avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dans ce premier texte qui nous est proposé en ce deuxième dimanche du carême, écoutons comment, au début de l'histoire, Dieu a préparé déjà le don de son propre Fils. L'histoire d'Abraham et d'Isaac débouche sur une promesse que Dieu accomplira jusqu'au bout. Écoutons ce récit. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, « Abraham! » Celui-ci répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, « va au pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. » Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois. Puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit, « Abraham, Abraham! » Il répondit, « Me voici. » L'ange lui dit, « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara, « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je marcherai en présence du Seigneur, sur la terre des vivants. Je crois et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert, il encore
pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. À l'entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem, je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Dieu est celui qui rend juste. Alors, qui pourra condamner? Le Christ Jésus est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Gloire au Christ, parole éternelle de Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ en ce jour, selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmena, eux seuls, à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse et tous les deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ». En chantant, acclamons cette parole. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur.
Dans les textes d'aujourd'hui, nous lisons qu'Abraham a accepté de donner la mort à son fils, que Dieu lui-même donne son fils et le livre pour nous tous, afin que Jésus, dans la scène de la transfiguration, vient annoncer l'événement de sa mort, qui donnera volontairement avant de pouvoir participer à la gloire de Dieu. Dans ces trois textes que nous venons d'entendre, nous trouvons une même similitude. Une mort qui est donnée ou acceptée librement est toujours faite pour le grand bien. Quelle folie pourtant de penser qu'ainsi le don a une telle efficacité. La mort sème partout pourtant souffrance et désolation. Comment peut-on l'accepter, voire même la choisir et croire qu'à travers cette mort et ses souffrances peut jaillir la vie? L'histoire d'Abraham est totalement inacceptable si nous cherchons à la transposer dans ce contexte de vie qui est nôtre aujourd'hui. Mais si nous comparons le geste dans le contexte d'aujourd'hui et le comparons au geste même que Jésus a choisi librement pour sauver l'humanité, nous réalisons que nous venons tout simplement d'entrer dans le monde de la foi qui n'a pas du tout les mêmes règles que celles de la vie que nous connaissons. La foi en Dieu donne un sens aux dons qui sont faits. Faisons une comparaison avec l'amour humain. L'amour, c'est vivifiant. Tous les couples savent que donner vie ne se fait pas sans angoisse, sans souffrance. Pourtant, avec bien des malades, des sans-emploi, des amoureux séparés pour un temps, ils pourraient dire que, passé l'épreuve, ils ont connu des joies inespérées, dont la valeur fait qu'ils ne regrettent en rien les souffrances par lesquelles ils ont traversé. Ce qui est arrivé, c'est que dans les épreuves, ces gens ont eu à se délester, pour ainsi dire, de ce qui leur paraissait pourtant essentiel. La santé, la sécurité, la présence intime de l'autre. Mais ils ont découvert à travers cela des biens mille fois plus précieux, ces biens que l'on peut appeler l'amour, la solidarité, le partage, la fidélité et quoi d'autre encore. Tous les croyants et croyantes qui font l'expérience d'un amour qui se donne jusqu'au bout se vit toujours au plan de la foi. Dieu qui parle au cœur exige parfois des dons d'une telle ampleur que le déchirement vécu à ce moment-là n'a de nom que le crucifiement. Donner sa vie par le cancer, donner sa vie dans la perte d'un enfant, être méprisé dans son être par un compagnon ou une compagne de vie, être exilé de sa patrie, mis à part, empêché de voir ce que nous aimons, comme en temps de pandémie. Comment ces souffrances presque inhumaines, parfois, peuvent-elles transfigurer certaines vies alors qu'elle peut en détruire tant d'autres? Voilà le mystère que seule la foi peut pénétrer. Et la foi qui se confie en Dieu malgré ses terribles exigences parce qu'il sait sa tendresse, sa bonté, sa justice, sa puissance sur le mal et la mort. Le récit de la transfiguration que nous venons d'entendre se situe dans l'évangile de Saint-Marc entre deux annonces. Quand il dira « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite après 3 jours. » L'apôtre ajoute encore, après ces récits, que les apôtres ne comprenaient pas ces paroles de leur maître. Alors, un dernier signe.
un dernier don. Il fut offert la veille de sa mort. Alors que rassemblés avec les siens, autour d'un repas, il prit le pain. Il offrit la coupe en disant, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang, prenez, mangez, buvez. » Là encore, ils n'ont rien compris. Le signe, le don dont nous sommes bénéficiaires à travers les siècles, qu'est Jésus lui-même, nous le partageons. Toujours en passant par le rejet, la souffrance, la mort, pour parvenir ainsi à la résurrection. C'est ce que nous célébrons dans nos assemblées chaque dimanche. Et c'est le Christ qui intercède pour nous auprès de Dieu, qui nous justifie parce que son Fils a donné sa vie pour nous. Pas pour le monde, pour nous qui faisons partie de ce monde, nous qui avons un prénom, nous qui sommes appelés ainsi par ceux que nous aimons. En communiant à lui, nous devenons capables, nous aussi, dans la foi, sacrifier parfois certains loisirs, même parfois un peu d'argent, de sécurité, parfois même de notre santé, de notre vie. C'est ce qu'on appelle un don, gratuit, libre, choisi, comme Abraham l'a fait. Pendant ce carême qui ressemblera peut-être à une traversée du désert, à cause des solitudes et des confinements non choisis, et où un exode, parfois nous éloignant de nos lieux de sécurité et de paix, ou encore à une ascension en montagne, remplie de défis et de souffrances. Et c'est là que nous sommes invités à accueillir d'une manière autre, encore aujourd'hui, l'Eucharistie, le don lui-même de Jésus, qui s'offre à nous. Pas d'une manière sacramentelle en temps de confinement, mais d'une manière spirituelle, nous faisons de la place à Jésus dans notre vie. Nous savons que c'est lui qui vient traverser nos souffrances, nos deuils, nos délestages, pour nous faire passer de cette mort à une vie nouvelle, une résurrection. C'était la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Et c'est cette promesse qui doit nous aussi nous habiter. Nous serons bénis de génération en génération parce que c'est en Jésus, le donné, que nous sommes ressuscités. C'est la grâce que je vous souhaite de pouvoir discerner sa présence d'un Dieu même souffrant au cœur de nos vies qui nous fait passer vers la vie éternelle. Nous croyons à l'amour de Dieu notre Père et à la tendresse infinie de son Fils. C'est là le trésor caché, maintenant dévoilé aux multitudes. Exprimons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Dieu est venu nous rejoindre dans notre histoire, dans nos joies et dans nos peines. Avec confiance, tournons-nous vers lui et prions-le. Répondons après chacune des intentions. Fais-nous marcher en ta présence, Seigneur. Pour les personnes qui cherchent Dieu d'un cœur sincère, prions le Seigneur. Fais-nous marcher en ta présence, Seigneur. Pour les parents et les grands-parents qui veulent témoigner de leur foi dans leur famille, prions le Seigneur. Fais-nous marcher en ta présence, Seigneur.
Pour les gens qui vivent une situation de précarité à cause de la maladie ou d'une perte d'emploi, prions le Seigneur. Fais-nous marcher en ta présence, Seigneur. Pour les catéchumènes et pour les catéchistes qui les préparent au baptême, prions le Seigneur. Fais-nous marcher en ta présence, Seigneur. Pour notre communauté unie dans l'amour du Père, du Fils et de l'Esprit, prions le Seigneur. Fais-nous marcher en ta présence, Seigneur. Dieu notre Père, toi qui nous as donné ton propre Fils pour nous rapprocher de toi, exauce notre prière et renouvelle notre foi. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette offrande, Seigneur, nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles et les prépare à célébrer les fêtes pascales. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Pour Jésus, le Fils bien-aimé du Père, qui est pour nous source de vie, rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il les mena sur la montagne sainte. En présence de Moïse et du prophète Élie, il leur a manifesté ta splendeur. Il nous révélait ainsi que sa passion le conduirait à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi avec les anges, dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Grand le mystère de la foi, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis, à la suite de Pierre, Jacques et de Jean, pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, nos archevêques Luxire et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi également de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de toutes ces personnes qui ont quitté cette vie. Particulièrement, pour les gens de la communauté chrétienne de Sainte-Praxède qui nous présentent des intentions aujourd'hui, Mme Lauriane Leclerc, Mme Thérèse et Morissette Laramé, de même que pour M. Michel Bourgault. Et ici, à la communauté Saint-Denis, nous te présentons Mabel Flynn, de même que M. Roland Loubier. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, qu'un jour, nous aussi, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Puisque le Seigneur nous a appris que nous étions comme lui, les enfants bien-aimés du Père, prions-le avec les mots mêmes de son Fils, qui nous demande toujours d'être en lien avec lui. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, pour que nous ayons toujours foi en toi qui nous mène toujours à la résurrection, bien que nous ayons à passer par des moments de tristesse, de désespérance, pour que nous gardions toujours les yeux fixés sur ce salut offert, donne ta paix,
Conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que le corps et le sang de Jésus réunis dans cette coupe. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Partager le corps du Christ, c'est le signe de notre ouverture au don par excellence, du don de son Fils. Heureux sommes-nous de l'accueillir, de partager son repas, de nous permettre d'ouvrir nos yeux et de le reconnaître comme présent et agissant. Bien sûr, Seigneur, en ce temps qui est nôtre, nous croyons que tu es présent avec le Père et l'Esprit au fond de nos cœurs. Tu es aussi présent dans le très saint sacrement pour la gloire de Dieu et pour le salut du monde. C'est pourquoi aujourd'hui nous t'adorons avec ce que nous sommes, avec tout ce que nous vivons en ce moment. Nous voudrions t'accueillir sacramentellement, mais nous ne le pouvons pas encore en raison de cette pandémie qui nous affecte. Creuse en nous ce désir brûlant de te recevoir spirituellement et de t'accueillir simplement comme Marie, dans la confiance, dans l'humilité, dans la paix. Retenus dans nos confinements, à notre manière, nous participons de loin à ton sacrifice eucharistique, dans l'attente de pouvoir nous rassembler tous ensemble un jour dans nos communautés. Voici pour vous le corps de Christ. Amen. Épreuve du désert, goût du printemps pour ceux qui ont souffert. Que ta parole en manne qui nourrit pleuve, Seigneur, sur l'homme d'aujourd'hui. Car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner. En marche vers son Dieu, force d'Élie pour aviver le feu. Quand l'injustice assaille tes projets, sauve, Seigneur, tes ouvriers de paix. Car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain. Car nous avons faim
Seigneur Jésus-Christ, tu soutiens notre marche alors que d'un pas titubant, nous prenons la route à ta suite. Quand nos yeux s'embuent et ne voient plus le chemin, assure-nous de ta présence. Quand notre cœur devient lourd devant l'ampleur de nos croix et l'horreur insupportable de nos souffrances quotidiennes, emplis-nous de la confiance sereine de te savoir à nos côtés alors que nous te croyons absent. Quand nos erreurs et nos faiblesses, nos manques et nos ruptures ne nous font plus espérer ton pardon et ne nous ouvrent plus à ton amour, donne à nos sombres visages, transfigurés par la lumière pascale, d'être des signes de ton évangile. Faisons monter encore une prière. Pour avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire, nous voulons te remercier, toi qui nous donnes déjà en cette vie d'avoir part au bien de ton royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit avec toi et en nous par l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Et voilà, nous avons déjà entrepris cette route vers Pâques. Il y a encore des étapes, des passages à effectuer en raison encore de ces consignes sanitaires qui nous sont présentées. Nous nous voyons encore dans l'obligation de ne pas accepter aucun paroissien, paroissienne pour nos célébrations. Nous considérons que 10 personnes, c'est faire certains heureux, mais c'est faire aussi beaucoup de déceptions. Je sais que vous nous comprenez dans les décisions qui sont nôtres. Nous espérons à tout le moins qu'après la semaine de relâche, nous puissions à tout le moins rassembler quelques paroissiens pour célébrer ensemble. C'est pourquoi nous vous tiendrons au courant de ces démarches qui seront entreprises, tant de par les autorités diocésaines pour nous donner ces orientations. Ainsi, nous pourrons probablement célébrer la grande semaine sainte et ainsi célébrer Pâques, qui est le fondement de notre foi. C'est ce que nous souhaitons et c'est vers quoi nous allons. Alors, merci de comprendre, merci de vous unir à nous, de faire connaître ce qui se passe quand même chez nous à travers ces messes virtuelles qui vous sont offertes de dimanche en dimanche. Faites-le savoir en vous connectant, comme le disait Cécile au début de la célébration, sur Facebook ou encore sur YouTube. Ne vous gênez pas, vos commentaires sont toujours bien appréciés. Bien sûr, on a encore un parcours à faire, comme Pierre, Jacques et Jean sur la montagne. Ils ont reconnu cette lumière, mais aussitôt qu'ils l'ont reconnue de leurs yeux, voilà que Jésus demeurait seul avec eux. Il leur demande de garder silence, de témoigner de lui de par leur vie. C'est cette même demande qu'il nous fait. Allons encore aujourd'hui, devenons des signes, des dons de la tendresse du Père. Descendons nous aussi comme Pierre, Jacques et Jean de la montagne avec la certitude que Jésus est toujours avec nous. Allons dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Si, on se retrouve la semaine prochaine. That's it. Coupon.